STV, your TV. Bonsoir, je vous dis à nouveau merci d'être nombreux à regarder cette autre édition de Cartes sur table, c'est le débat sur STV. À moins d'un an de l'année électorale, la classe politique s'anime timidement. On assiste à des déclarations de candidature de certains acteurs politiques. Pendant ce temps, les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes. Mais de façon globale, les grandes manœuvres sont pour l'instant visibles. C'est dans ce semblant de mutisme que Paul Biya a procédé à la nomination des responsables au sein de l'ELECAM. On en parlera ce soir pour en apprécier les enjeux et l'impact que l'institution électorale peut avoir sur l'organisation des élections au Cameroun. Élection 2018, ELECAM face à son destin, c'est le premier thème. Ensuite, il y a la Journée internationale de la presse, la liberté de la presse qui se célèbre le 3 mai de chaque année. Nous allons dire un mot sur la marche de la presse camerounaise, ses avancées, ses freins et sa situation actuelle. Liberté de la presse, où en est-on? Ce sera le deuxième thème. Et puis enfin, un nouveau PCA à Cameco. Qu'est-ce qui change? Sommes-nous sortis de l'auberge? Cameco, que faire pour atteindre la vitesse de croisière? Voilà quelques questions auxquelles on essaiera d'apporter des réponses ce soir. Voici donc les éléments du débat qu'on aura avec Philippe Ndanga. Il est membre de la société civile et président de Un Monde à venir. Bonsoir Philippe. Bonsoir et salut à toutes les citoyennes et à tous les citoyens qui nous regardent en ce moment. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là pour partager avec l'opinion, n'est-ce pas, les réflexions que nous menons sur les questions qui touchent à la quotidienneté des citoyens. Évidemment, je n'aurai de cesse de vous dire merci de votre disponibilité. Abel Elimbilobe, homme politique, bonsoir. Merci de m'avoir associé à cette émission une fois de plus. Bonsoir à vous. Tous vos nombreux téléspectateurs et aux autres panélistes, bien sûr. Emmanuel Cougnier du SIF, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député, et merci de me convier à cette réflexion. Bonsoir également à tous vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Et je crois que nous allons, n'est-ce pas, être à la hauteur de ce qui va être demandé. Et d'un moment à l'autre, j'annonce l'arrivée de Robert Mouté Ambassa, qui va nous rejoindre dans ce studio afin de participer au débat. Juste derrière la transition, donc on commence le premier thème. Commençons donc peut-être par cette première question, ou du moins une question de forme, hein, une appréciation à laquelle j'inviterai les panélistes. Le 25 avril dernier, le président de la République a procédé à la nomination des responsables au sein de l'ELECAM. On a vu des partants, des entrants, mais faits marquants. Il arrive à la direction générale de l'organe qui doit organiser les élections en 2018. D'un ancien gouverneur, Eno Hegbe, qui va désormais diriger, ou du moins qui en est le directeur général, nommé par Paul Biya et d'autres au cadre de l'instance. Première question donc, Abel Elimbilobe, quelle appréciation faites-vous de cette arrivée-là, de cette désignation, de cette nomination? Ça n'a plus d'importance, ça ne devrait même plus avoir d'importance pour des acteurs politiques sérieux, parce que il s'agit des dysfonctionnements, il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Les mandats de ces gens étaient terminés depuis. Dans une organisation cohérente, les mandats sont connus. On sait qu'ils vont être terminés. Je ne pense pas que ce soit la recherche des successeurs, des partants devrait faire l'objet d'un temps spécialement
dévolue au président de la République pour les trouver. Donc ce sont des signes qui s'accumulent, qui nous rendent compte du délitement des institutions. Mais pour les hommes politiques aguerris, qui ont des préoccupations sérieuses, ça ne devrait plus être notre préoccupation. Notre préoccupation est comment nous allons nous organiser pour enlever et évincer ce régime. C'est ça qui est important. Spéculer tous les jours sur on a mal nommé un gouvernement, on a mal nommé le président du conseil électoral, ne devrait plus être notre préoccupation. Celui qui était là était mal nommé. Il était nommé en violation de l'esprit de la loi. La loi voudrait qu'il y ait des consultations. La loi voudrait que ces gens soient choisis parmi un certain nombre de personnalités considérées comme neutres, etc., etc. On prend des gens qui, de par leur passé professionnel, ne peuvent pas, évidemment, être neutres. Pour qu'on revienne nous asseoir sur les plateaux de télévision, épiloguer un ancien gouverneur de région, vous aurez beaucoup de mal à convaincre les Camerounais qu'il est neutre. Bon, j'entends les Camerounais, certains disent qu'il est du RDPC, ça aussi, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pas parce que quelqu'un est gouverneur de région que forcément il était militant du RDPC. Donc on entretient le pays dans un climat de discorde permanente parce que cette façon de faire les choses arrange un peu apparemment le chef de l'État et tous ceux qui l'accompagnent. Mais pour nous, je dis une fois de plus, l'heure est à la recherche du meilleur comportement que l'opposition doit avoir pour évincer ce régime. Ce n'est plus là de critiquer. On sait que Elékam n'est pas bien. Elékam, tant que M. Biya est là, Elékam ne sera pas bien. Philippe Nanga. Pour moi, j'allais dire que c'est un non-événement. Évidemment, par contre, je ne suis pas indifférent aux nominations qui se feraient ou qui se font à la tête ou alors au sein de cette institution. Parce que, dans tous les cas, c'est elle qui est chargée de conduire le processus électoral dans notre pays. Donc, il faut évidemment être regardant, il faut être attentif. Dans tous les cas, c'est un maillon sérieux dans le processus électoral, dans le processus démocratique. Donc, il faut prendre au sérieux tout ce qui se fait autour. Malheureusement, les nouvelles personnes qui arrivent ne viennent pas détendre l'atmosphère qu'on aurait pu attendre. Voilà. Au contraire, ça renforce le discrédit qu'il y avait déjà autour de cette institution qui fait partie quand même des problèmes évoqués par les acteurs politiques ou associatifs dans le cadre du système électoral camerounais. Parce que on veut bien, comme dans tous les pays d'ailleurs, avoir une institution qui s'occupe des élections. Maintenant, il faut bien que cette institution-là réponde, n'est-ce pas, au caractère démocratique. C'est-à-dire que ce soit des personnes qui soient de façon transparente désignées conformément à ce qui est prévu. Mais là, on peut encore remarquer que le président Biya, je sais pas, des fois je me pose des questions, est-ce qu'il a été conseillé ou pas, mais c'est quand même extraordinaire de voir qu'il y a une loi qui existe, voilà, il y a un cadre qui existe, mais que le président de la République quand même est la personne qui, au premier chef, doit faire respecter la loi. Et si lui-même ne le fait pas, c'est quand même assez grave. Et ça, malheureusement, ça se multiplie, ce genre d'actes de violation de la loi, parce que quelle est la consultation qui a été faite pour qu'on arrive à la désignation de ce monsieur? Et dans un pays normal, on devrait savoir. On devrait savoir. Donc, ça, ce n'est pas respecté. Et jusqu'ici, c'est comme si tout ce qui est dit n'est pas entendu. Alors, ça pose un sérieux problème. Ça pose un sérieux problème. L'ONG Monde Avenir, que je coordonne, travaille depuis quelque temps à obtenir un meilleur système électoral. On travaille sur un meilleur système électoral. Donc avec une nouvelle gouvernance, n'est-ce pas, du processus électoral, de même qu'on travaille évidemment à mobiliser les citoyens à s'inscrire dans le suivi des politiques publiques. Et dans ce cadre-là, nous sommes vigilants, attentifs,
en ce qui concerne tout ce qui est cadre intégrant le système électoral. Et elle est quand même fait partie de ce système électoral. Et malheureusement, là, à quelques mois, parce que théoriquement, voilà, à quelques mois... Sensiblement 18 Non, pas 18, normalement. Ça, là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, les gens n'ont pas la maîtrise du calendrier électoral, parce que malgré le fait que la loi a quand même établi que normalement la première élection devrait avoir lieu dans un an, donc au mois de mai, si on respecte les choses, les sénatoriales, mais pas la première, parce que en considérant que M. Diaba s'est ravisé et n'est pas commis la même connerie que la dernière fois à l'élection sénatoriale, où un corps électoral a été mis de côté, il devrait commencer par l'élection régionale. Et ça pourrait même se faire cette année si on veut respecter les choses pour qu'on n'élise pas les conseils régionaux et que le mois suivant, ce soit l'élection sénatoriale. S'il veut être sérieux, voilà. Donc, du coup, moi je dis, à quelques mois des échéances électorales, qu'on vienne renforcer, n'est-ce pas, la suspicion que les acteurs ont autour du processus électoral, c'est dommage. C'est dommage parce que aujourd'hui beaucoup d'acteurs commencent. D'ailleurs, il y a même des mobilisations qui se font pour dire non à l'élection. Non à l'élection parce que le système n'est pas bon. Non à l'élection parce que le cadre n'est pas bon. Mais alors, à quelques mois de l'élection, venir renforcer cette position, cette posture de certains acteurs, je trouve ça quand même dommage. Emmanuel Kouni. Oui, je crois que cette nomination, c'est à la limite même une provocation. C'est une provocation. Je crois que le président veut provoquer, n'est-ce pas, les Camerounais. Et parce que quand... On est un ancien gouverneur, ça veut dire qu'on est un administrateur civil. Et par déformation professionnelle, on est astreint, n'est-ce pas, à la subordination, au respect de la hiérarchie et tout ça. Il y a une certaine discipline qu'on doit avoir vis-à-vis de la personne, n'est-ce pas, qui vous donne le poste. Et quand, au niveau, n'est-ce pas, du conseil électoral, on désigne des gens de cette nature, il y a lieu de s'interroger si vraiment le président voudrait qu'il y ait des élections transparentes, s'il n'est pas en train de baliser les voies, n'est-ce pas, pour qu'on rentre dans une fraude sans précédent. Parce que les autres, au moins, étaient des gens de la société civile ou des gens qui étaient dans le parti, mais qui n'étaient pas des fonctionnaires type-là, de ce rang-là. Et aujourd'hui, je vous assure qu'on rentre au niveau de l'administration territoriale. On peut dire que c'est le ministère de l'administration territoriale qui organise les élections. Ça veut dire qu'on fait un saut périlleux en arrière. Et ça se complique, Et je crois que ce que le président vient de faire n'est pas acceptable. Moi, je crois que c'est gênant. Nous allons aller aux élections, bien entendu, comme disait mon copanéliste Elie Milobet. Mais on ne peut pas être indifférent face à, n'est-ce pas, ce genre de choses. Parce que ce qui est vrai, c'est que nous avons vu... Monsieur Fokanzou, celui qui est le précédent, qui a dit il faudrait juger le maçon au pied du mur. Moi, je pense que je veux faire un travail normal. Par la suite, tout le monde sait que la fraude y est entrée comme d'habitude. Et aujourd'hui, si le président l'enlève et il met quelqu'un qui a, face à qui, enfin, on a une présomption de tricherie a priori en tant qu'administrateur civil, ancien gouverneur, on suppose que c'est quelqu'un qui vient, n'est-ce pas, pour organiser la fraude. Et si tel est le cas, ça veut dire tout simplement que on n'est pas sorti de l'auberge et que nous risquons, n'est-ce pas, de reculer sérieusement. Mais nous pouvons aller aux élections. Mais pour aller aux élections, il faudrait qu'on intègre ça comme une donnée. Qu'on sache qu'il y aura la fraude. Et si on pense qu'avec la fraude, on peut se débrouiller, qu'on aille en sachant que ces élections seront truquées, il y aura la fraude, et que les résultats qui vont être donnés seront des résultats. Si les résultats ne seront pas favorables au RDPC, ces résultats ne seront pas ceux qui seront donnés. Et il faut noter que quand on me dit que quelqu'un peut être gouverneur sans du RDPC, moi je crois qu'il faut être sérieux. Parce que le RDPC, en réalité, n'est pas un parti qui a conquis les militants. Tous les fonctionnaires sont entrés dans le RDPC parce que le RDPC qui gère la République. Et si aujourd'hui le RDPC n'est pas là et que c'est un autre parti qui arrive, les fonctionnaires entreront dans ce parti. Donc les fonctionnaires camerounais aujourd'hui sont dans la très large majorité des militants du RDPC. Ceux qui les dirigent, ceux qui sont les gouverneurs et les préfets, moi j'ai travaillé à la préfecture, j'ai travaillé au ministère de l'administration territoriale. C'est une machine de fraude qui travaille, n'est-ce pas, pour le compte du RDPC. Je rappelle qu'on aura Robert Moutambassa, hein, d'un moment à l'autre, nous a promis qu'il viendra à cette émission. Abel, je veux dire, c'est bien beau de taper sur Elecam, de taper sur les militants du RDPC qui se déploient au quotidien pour les élections, mais en même temps, on peut quand même reprocher aux adversaires du RDPC de ne pas beaucoup travailler, tout au moins, à encourager les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, ce qui pourrait être quand même un facteur
un contrepoids important pour éventuellement contourner ou contrecarrer ce que vous appelez la fraude? Écoutez, moi je suis fatigué d'entendre des débats qui ne font pas avancer la cause. Faites un débat qui fait avancer la cause. Voilà, le débat qui fait avancer la cause, ce n'est pas la rengaine de tous les jours sur les gouverneurs qui sont... Ce n'est pas important, mes frères. D'abord parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui ne relèvent pas de donner de la preuve. Il ne faut pas dire que tous les fonctionnaires sont du RDPC. Moi, mes frères, mon père était fonctionnaire, il n'a jamais été du RDPC. Qu'est-ce que l'on sait? C'est quand même mon père, sauf si tu veux être à sa place. Il t'a dit qu'il était de quelle partie? Sauf si tu veux être à sa place. Et c'est moi qui parle. Oui, mais tu dis des choses... Les contre-vérités. C'est moi qui parle. Ah, donc tu connais le parti de mon père. Tu es de quel parti? Moi je te dis que mon père était de quel parti? Mon père a pris sa retraite au contrôle provincial des finances ici à Douala. Il a été fonctionnaire de police, de la météo, de la police. Il est allé à l'ENAM, il est sorti, on l'a détaché au chemin de fer. Il est rentré à son administration d'origine, il a été affecté au contrôle provincial des finances, il a pris sa retraite. Ne serait-ce que parce qu'il est témoin, Jéhovah n'était pas fonctionnaire. Il n'était pas du parti. Bon, j'ai mon grand frère qui est fonctionnaire. Et il y a beaucoup d'autres fonctionnaires. Donc c'est un mauvais débat. Tout le monde sait que beaucoup de fonctionnaires, pour des besoins de carrière, jouent à un jeu. Et tout le monde sait que si demain, comme vous-même vous l'avez dit, si un autre parti arrivait au pouvoir et que cette même culture de la rente reste fonctionnel, il faudra s'attendre, même pour ce nouveau parti-là, que des nouveaux fonctionnaires clientélistes rentrent dans ce type de jeu. Mais le débat n'est plus là. Venir faire des débats de cette nature, c'est une grosse perte de temps, alors que nous sommes exclus du champ médiatique et que quelques radios et télévisions nous donnent l'opportunité de parler. Vous venez parler des évidences. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que, avec cette mauvaise fonction publique-là, avec ce mauvais code électoral et toutes les lois qui vont avec, avec ce mauvais élecam, où le directeur général des élections et le président du conseil électoral n'arrivent pas à savoir qui est le chef de qui, parce que la loi est mal écrite. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a dénoncé ça. On a dénoncé ça dès la présentation de cette loi-là au Parlement. Le code électoral même n'existait pas encore, parce que c'était 4 lois différentes. Une loi sur la présidence de la République, une loi sur les législatives, une loi sur les municipales. Puis on a fait la loi portant création, organisation et fonctionnement d'Elections Cameroun. Puis on a mis tout ça ensemble dans un code électoral sans changer une virgule de toutes ces lois-là. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est que, avec ce mauvais environnement-là, le SDF a eu à une certaine époque 72 communes de gagnées, 43 députés. Donc, il peut gagner. C'est avec ces mauvaises lois-là que le SDF est allé aux élections en 92. Il dit qu'il a eu 39%. Les autres disent qu'il a eu 33 plus 35%. Mais il dit qu'il a gagné. Donc, il peut gagner avec les mauvaises lois. D'où l'exhortation que nous lançons aux acteurs politiques aujourd'hui. De ne plus nous attarder sur un combat qui risque d'être perçu par tout le monde comme un combat d'arrière-garde. J'entends les mêmes qui disaient hier, ne vous inscrivez pas, qui aujourd'hui disent, inscrivez-vous. De tout temps, s'inscrire sur les listes électorales devrait être une priorité. D'où la gratitude que nous exprimons, moi en particulier, à l'endroit d'un certain nombre d'organisations comme Mon Un Monde à Venir et bien d'autres, qui travaillent à faire en sorte que, un, le corps électoral soit important. Ce n'est pas parce que le corps électoral, s'il est important, il y aura l'alternance. Non, c'est parce que si le corps électoral est important, les dirigeants sont légitimes. Ils sont effectivement l'émanation de la volonté populaire. Donc, nous ne pouvons pas faire le débat sur les inscriptions sur la liste électorale. Nous devons appeler tous les citoyens en âge de s'inscrire, d'aller s'inscrire. Et ensuite, les exhorter à aller exercer le droit de vote, c'est-à-dire à participer effectivement au choix des dirigeants. Mais quand on a fini de faire ça,
nous devons honnêtement garder à l'esprit que même si le corps électoral est de 20 millions d'habitants, nous pouvons perdre les élections. Si nous venons aux élections avec des mauvais candidats, nous allons les perdre. Si vous venez aux élections avec les voleurs de caution que vous investissez, vous allez perdre les élections. Donc il ne suffit pas qu'on ait un bon corps électoral pour gagner. Ensuite, si nous n'avons pas une bonne stratégie électorale, nous allons perdre les élections. Les études que je viens de terminer, qui sont ici, nous montrent très bien que en 2013, et c'est important que les gens le sachent, il y a eu 28 partis politiques qui sont allés aux élections législatives. 27 contre le RDPC. Sur les 27 là, il y a 85 circonscriptions électorales aux élections législatives. Les 27 partis de l'opposition là étaient absents dans 14 circonscriptions électorales. Le RDPC était seul là-dedans. Et les 14 circonscriptions électorales où le RDPC était seul représente 29 sièges. C'est-à-dire que le jour où Elecamp a publié les listes des candidats aux élections, le RDPC avait déjà compté 29 sièges, parmi lesquels le siège de M. Hilarion Eton, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui se présente à la Haute-Sanaga, siège à deux, circonscription à deux sièges, où il gagne en restant chez lui sans même aller. C'est-à-dire qu'ils sont à 10 heures, il part avec sa femme et son épouse, et puis, lui-même et son épouse, puis ses enfants, et puis quelques membres du comité de base, de je ne sais quoi. Du coup, il a déjà gagné les élections. Mais il y a plus grave. Parce que là, ça concerne les 27 partis qui étaient en face. Si dans les 27 partis dits de l'opposition, vous enlevez les 5 que nous considérons comme des collaborateurs officiels du RDPC, c'est-à-dire l'UNDP, la NDP, l'ADD, le MDR et le parti de Issa Tiroma. Les 5 là, si vous les laissez de côté, il reste les 22 que nous considérons comme la vraie opposition, l'opposition non gouvernementale. Est-ce que, monsieur Dipita, vous savez que les 22 partis là, en commençant par le SIF, l'UPC, l'UDC, etc., étaient absents dans 40 circonscriptions électorales. Ils ne se sont présentés que dans 45 circonscriptions électorales. Les 40 circonscriptions électorales où ils étaient absents, ça représente 90 sièges. C'est-à-dire qu'avant que l'élection ne commence, le petit camp RDPC et ses 5 alliés avaient déjà gagné 90 sièges. Donc, pour vous, donc nous avons des priorités. Bon code électoral. Oui, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas Biya qui va le faire. C'est nous qui allons le faire quand on sera au pouvoir. Mauvais code électoral. On sait qu'il en sera ainsi. Mais si nous allons aux élections, même avec un code électoral que nous-mêmes nous avons rédigé, et si nous sommes absents dans 90 circonscriptions électorales, l'adversaire qui sera en face de nous, qui est le RDPC, qui sera présent partout, il a déjà gagné. Il nous faut modifier notre comportement. Moi, je crois que essayons de parler d'ordonner un peu ce que nous sommes en train de dire. Allez. Moi, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a réellement un problème d'implantation des partis politiques sur le terrain. Absolument. Les partis politiques ont des difficultés peut-être à s'implanter. Il faudrait que nos appareils essayent de travailler pour pouvoir, n'est-ce pas, occuper le terrain, un problème d'occupation du terrain. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Elim Bika, il le dit. Mais je crois que s'agissant des inscriptions sur les listes électorales, comme vous avez dit, on ne peut pas dire que les partis d'opposition ne font rien ou bien ne font pas assez. Moi, vous voyez à Yaoundé, par exemple, vous voyez, et les camps, ils descendent la poste centrale, ils mettent une grande tente là, ils s'installent là pour inscrire les gens. Mais qu'est-ce qui leur coûte d'aller aussi dans les universités, par exemple, où les gens s'inscrivent beaucoup plus facilement? Moi, je crois que les gens de les camps, eux-mêmes, n'ont pas envie de faire. Mais je veux dire, pendant justement que le processus se déroule, notamment au niveau des inscriptions, est-ce que vous, les partis, vous n'interpellez pas Elecamp sur ce genre de détails dans le déploiement? Est-ce que le SD ne peut pas dire à Elecamp, effectivement, allons dans cette université ou allons au marché central pour voir comment on peut davantage. Je vous prie de faire un peu les tours sur le terrain. Vous allez voir que les partis politiques travaille avec les camps. Et les camps, parfois, n'ont même pas de moyens. C'est les partis politiques qui déplacent les camps pour aller dans les quartiers pour essayer de faire le peu d'inscriptions qui se font. Et les camps, à un moment donné, a eu même des problèmes de budget. Mais les partis politiques assistent les camps. Et c'est les partis de l'opposition qui assistent les camps.
Le parti au pouvoir, lui, l'attend la dernière minute. Mais je peux vous dire que les partis d'opposition font ce qu'ils peuvent faire pour que, n'est-ce pas, les inscriptions aient lieu. Mais il faudrait noter que la couverture de travail de fond consistera toujours à dire qu'il faudrait que les partis politiques se déploient sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y ait une occupation, que chaque parti politique, dans chaque arrondissement, dans chaque département, puisse être représenté. Et ça dépendra maintenant des moyens dont dispose ces partis politiques pour pouvoir occuper ce terrain-là. Et tant que les gens n'auront pas le moyen matériel nécessaire et des moyens financiers nécessaires pour pouvoir se déployer, ils ne pourront pas faire le travail que vous êtes en train de leur demander. Il faudrait que ceux qui ont les moyens, qui fassent aussi de la politique, qui entrent dans les partis politiques, qu'on leur fasse la cour, qu'ils rentrent dans les partis politiques, et qu'on fasse ce travail ensemble, afin que nous puissions, si nous pensons que l'alternance est nécessaire, travailler pour l'alternance. Parce que je vois beaucoup de personnes qui restent au quartier, qui disent, bon, la politique c'est une affaire de politiciens, qui fassent alors. Ils oublient que quand on fixe, n'est-ce pas, le taux des impôts, c'est encore à l'Assemblée, c'est dans les mairies qu'on les fixe, et c'est les politiciens qui font toutes ces choses-là, et ça se répercute sur eux. Donc, moi, je lance un appel pour dire à tous les Camerounais, tous ceux qui sont en activité, qui comprennent que s'ils ne font pas de la politique, s'ils ne veulent pas participer, n'est-ce pas, à cette activité, qu'ils participent même du côté du RDPC, s'ils veulent, mais qu'ils ne soient pas inertes, qu'ils ne soient pas passifs, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont passifs, qui estiment que les élections sont déjà truquées. Et c'est pour cela que je disais tantôt que quand on prend un gouverneur de région, on le nomme à la tête de l'ECAM. C'est pour démotiver les Camerounais. Parce que quand c'est déjà ainsi, les gens se disent, ça sert à quoi donc d'aller? Parce que si nous allons, même si on vote, ils vont tricher. Et quand il faudrait donc maintenant déjà arriver à amener les gens à sortir de cette conception pour pouvoir, n'est-ce pas, les amener à se mettre au travail. Donc, il y a un travail à faire, je suis d'accord, mais ce travail-là doit être fait par tout le monde. Il faudrait que les partis politiques se battent pour engranger suffisamment de moyens pour se déployer sur tout le territoire et être représenté partout. C'est ça le véritable défi. J'espère qu'on t'a compris. Philippe Nanga, sur la question des inscriptions, la question de la mobilisation, je disais tout à l'heure que c'est bien beau de décrier, et d'ailleurs c'est de bonne guerre, si le RDPC se donne les moyens, légaux ou illégaux, pour remporter les différents scrutins. Mais je veux dire qu'en face, comment s'organise tout au moins la mobilisation, si tant il est vrai que les électeurs devraient être le bouclier, ou alors chacun devrait défendre son vote. Comment s'organise cette mobilisation-là, peut-être au niveau de la société civile? Oui. Au niveau de la société civile, je pense qu'il y a un travail qui se fait. Il y a plusieurs organisations maintenant qui travaillent là-dessus, Dynamique Citoyenne, qui est un réseau implanté dans les 10 régions, qui travaille là-dessus. Un monde à venir qui conduit ce processus de mobilisation des citoyens sur la question électorale depuis quelques années maintenant. Et je peux vous garantir que depuis un mois, quelques jours, nous avons 100 jeunes qui sont sur le terrain dans 6 régions pour travailler quotidiennement à la participation politique des citoyens camerounais et à l'inscription dans les listes électorales. Donc nous avons formé des animateurs qu'on appelle des animateurs de proximité qui font ce travail, qui sont sur le terrain pour dire aux gens, attention, il faut vous intéresser à la politique, et acte 1, il faut aller vous inscrire. Donc ce travail est fait déjà, sans compter que nous faisons des formations avec les partis politiques, avec les médias, pour attirer l'attention de ces acteurs-là sur la nécessité de se mobiliser, n'est-ce pas, autour de la question politique et électorale. Je pense qu'il y a un problème de stratégie. C'est pour ça que, depuis quelque temps également, nous travaillons à mettre ensemble tous ces acteurs-là afin de réfléchir à ce que M. Limbi évoque, n'est-ce pas, qui est un problème de stratégie d'intervention dans le champ politique, politicien. Je pense qu'il faut, il faut travailler là-dessus, parce que les données qu'il a aujourd'hui montrent qu'il y a quelque chose à faire. Et il faut que les acteurs politiciens puissent s'en approprier et réfléchir. Je me réjouis que M. Kounye ait bien compris la nécessité de regarder ce travail-là et de faire attention à ce qui est ressorti de ce travail, parce que je crois que les éléments qui sont produits dans ce rapport montrent bien qu'il y a un travail de stratégie à mener. Parce que on voit bien que même si on avait, vous voyez que si on n'a pas ce genre de données, même si on a un meilleur système électoral et qu'il y a un mauvais déploiement, une mauvaise occupation de l'espace géographique, eh bien, on va toujours laisser une marge. Voilà, on risque d'avoir le même résultat. Je pense que c'est important de savoir. Donc, il y a un travail qui s'est fait, en tout cas, en termes d'inscription dans la liste électorale par la société civile, par l'ONG Monde Avenir particulièrement.
Nous avons un projet actuellement qui s'intitule INCRED, c'est-à-dire Initiative citoyenne pour le renforcement de la démocratie. Et donc, plusieurs activités sont menées dans le cadre de cette initiative qui est soutenue financièrement par l'Union européenne. Donc, plusieurs activités sont menées justement pour inciter les gens à s'inscrire parce que, à côté, là, je dis, nous ne pouvons pas être indifférents au cadre électoral, nous ne pouvons pas être indifférents au système électoral. Non, il faut qu'on soit regardant parce que le RDPC n'a pas dit, quand on est au pouvoir, vous avez dit de bonnes guerres. Non, il n'y a pas de bonnes guerres. Donc, on doit avoir un meilleur système électoral ou alors on arrête de dire qu'on est dans un pays où, qui s'est inscrit dans la démocratie. Donc, on peut se décréter une dictature officiellement et donc personne ne va vous en vouloir. Et vous sortez des espaces, n'est-ce pas, des institutions internationales où vous êtes. On parle de démocratie. De démocratie. Mais si vous êtes dans des institutions internationales où on vous reconnaît comme un pays de démocratie, vous ne pouvez pas en même temps vous comporter comme une dictature. Donc je pense qu'il est important qu'on soit d'accord là-dessus. Nous devons être regardants sur le système électoral, tout comme d'ailleurs. Depuis quelque temps, dans les discussions avec ceux qui pensent qu'il faut. Il ne faut pas aller du tout à l'élection. Je leur dis, les amis, nous pensons que plus on va avoir des gens inscrits dans les listes électorales, plus on aura les chances de constituer la masse critique nécessaire pour porter n'importe quelle revendication sur les élections. Parce que entre celui qui est inscrit sur les listes électorales et celui qui n'est pas inscrit dans une liste électorale, la personne qui est inscrite a plus de motivation à se battre pour obtenir un meilleur cadre électoral. Le gars qui n'est pas inscrit, il peut être indifférent, il s'en fout. Mais le gars qui est inscrit, vous avez plus de possibilités à lui faire admettre que maintenant qu'il s'est inscrit, pour que son inscription n'ait pas de valeur du tout, il doit se battre pour que son vote soit pris en compte. Et que pour que son vote soit pris en compte, le système électoral doit changer. Et dans toutes les actions qu'on va mener dans le but de faire changer le système électoral, il peut s'engager. Parce que ce qui manque dans ce pays, c'est notre capacité à conduire des mobilisations pour amener. Ça peut se faire dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on sait que les citoyens ont le pouvoir. Et à tout moment, il peut exercer son pouvoir, n'est-ce pas, citoyen, et obtenir ce qu'il veut. Moi, je suis là, je suis un peu d'accord. Il faut qu'on arrête dans ce pays de dire on ne peut rien faire. Non, on peut faire et on peut obtenir ce que nous voulons. Ça aussi. Vraiment, les médias doivent communiquer là-dessus. D'arrêter de dire aux gens que quand quelqu'un est au pouvoir, il a toute la force, on ne peut rien faire. C'est faux. Mais c'est faux. L'exemple nous montre que c'est faux. Une petite seconde. Oui, Emmanuel. Je voudrais ajouter que quand le président de la République vient nommer le gouverneur, c'est pour nous ajouter, c'est pour nous augmenter notre tâche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont même inscrits et qui doivent aller voter. Mais à un moment donné, quand ils se rendent compte que c'est ce type de personnage qui doit piloter ces opérations, dans sa tête, il a une tendance. Il se dit que on a préparé cette affaire pour que ça ne donne rien. Donc, il faudrait maintenant qu'on fasse tout pour le convaincre. C'est-à-dire pour qu'on lui tienne un autre discours pour lui démontrer que même si c'est ce monsieur-là, nous pouvons faire front, nous pouvons lancer clé, nous pouvons. Et puis, ça nous fait un travail supplémentaire. Donc, ce type d'opération, ce type de personnalité qu'on a à la tête de l'ECAM, ce n'est pas pour que les choses se passent normalement. C'est pour rendre le système complètement bloqué et que les gens puissent, n'est-ce pas, se disperser. Amen. Ce que moi je veux dire, c'est que il est très difficile que ceux qui nous écoutent se déterminent à la fois dans un environnement où à la fois il y a le pessimisme et l'optimisme. Il faut qu'on choisisse. Et moi j'exhorte les acteurs politiques de ma famille, l'opposition, parce qu'il y a deux acteurs. Il y a ceux qui sont pour le pouvoir. Et ça, nous qui voulons renverser le pouvoir. C'est ton nouveau schéma. Il n'y a que deux acteurs. Il n'y a pas de. Et en 2018, il n'y aura pas un troisième camp. Il y aura le camp de ceux qui veulent renverser le pouvoir. Et qui vont mettre en route les stratégies nécessaires pour renverser le pouvoir. Mauvais code électoral ou bon code électoral, le président Biana qu'à faire ce qu'il veut. Moi, je pense qu'il doit même avoir le courage de nommer même son épouse.
à la tête du conseil électoral, enlever tous ceux qui sont là, les Titi Mouel comme les supposés indépendants, parce qu'on n'a pas vu en quoi est-ce que ces gens ont fondamentalement fait évoluer l'indépendance de cette structure. Donc pour moi, la nomination d'un gouverneur, c'est rien. Il devait même prendre un ministre en fonction. Il le nomme là-bas. Mais nous devons nous dire que avec ce mauvais code, et c'est tout le travail que je ne fais que faire maintenant, et je suis même très à l'aise dedans, avec ce mauvais code, nous avons obtenu un certain nombre de résultats qui mettent à défaut ceux qui sont des sceptiques et qui répandent le scepticisme en réalité pour cacher les lacunes de l'opposition. Parce que l'opposition a ses lacunes. Il faut qu'on sache que j'avais entendu Kounye dire là qu'il faut les moyens. Ces moyens sont humains, ils sont financiers. Il faut qu'on sache que si nous voulons renverser le régime, nous avons besoin d'un candidat à la présidence de la République. Chaque parti qui se lève pour taper la main sur la poitrine, que moi je peux renverser le RDPC. Il faut qu'il ait un candidat à la présidence de la République avec 30 millions de cautions. Il faut qu'il ait l'ambition de prendre le contrôle de l'Assemblée nationale. Il faut 91 députés. S'il croit qu'il peut faire du 100%, il faut au moins qu'il présente 91 titulaires et 91 suppléants. Et il met 91 millions de francs sur la table pour les cautions. Ensuite, il doit avoir l'ambition de prendre le contrôle de la Chambre haute, le Sénat. Pour y arriver, il faut d'abord contrôler les 360 communes, c'est-à-dire avoir au moins la majorité absolue de ces communes. Il y a 10632 conseillers municipaux au Cameroun. Il faut donc avoir au moins 5317 conseillers municipaux à ce parti-là, qui a cette ambition. Mettre 50 000 francs de caution fois 5317. Ça fait très précisément, si je ne me trompe pas, 226 millions. 260. Oui, ça fait 265 millions 850 000. Il faut avoir cet argent. Puis maintenant, vous avez donc gagné les conseillers municipaux dans 8 régions. Il faut maintenant, vous allez donc gagner le Sénat. Il va vous falloir gagner 51 sénateurs dans 70. Puisqu'il n'y a que 70 élus. Hein? On suppose que les 30 là, même par magie, Biya sera toujours là, il ne va pas nous donner les 30 là. Donc il nous faut gagner 51, la majorité absolue de 100, dans 70. Pour gagner ça, il faut se présenter dans 8 régions. Parce que si vous présentez dans 7, vous allez faire 7 fois 7, ça fait 49, vous n'aurez pas la majorité. Donc il faut vous présenter dans 8, ça fait 7 fois 8, 56. Il faut donc avoir 56 candidats, titulaires, 56 suppléants, plus 56 millions. Quand vous totalisez tout ça, le parti politique qui dit qu'il veut battre le RDPC doit avoir. Parce que Kounye a parlé de ressources. C'est d'abord les hommes. C'est eux qui sont des candidats. Il faudra avoir 5612 cadres de haut niveau pour opposer face to face au RDPC. Et on n'est pas là sur tous les sièges de conseillers. Hein? Parce qu'il y a 10 000. Le RDPC, lui, il est présent dans les 10 632. Mais nous, on va être présent dans 5 317 et on compte prendre tout. Donc, il faut avoir 5 612 cadres de haut niveau à présenter. Et il faut avoir 442 millions 850 000 francs de caution à mettre au trésor. Vous n'avez pas encore financé la campagne électorale. Donnez-moi le nom du parti qui peut déployer cette ressource humaine. Donc, quand on sait ça, et on sait que, humblement, vaincre le RDPC est une lourde tâche, on doit s'interroger sur les causes des échecs à répétition. Et quand on va s'interroger, on va comprendre que ce n'est pas d'abord crier sur le code électoral. On sait. Mais c'est nous qui allons bâtir un nouveau code électoral. C'est nous qui mettrons en place une nouvelle constitution. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas rappeler à tout moment le caractère inique, d'accord, la mauvaise foi. Emmanuel Kounye,
qui est d'ailleurs ce qui nous motive. Vous connaissez un parti d'opposition qui est capable d'être à la hauteur de ce défi-là? Non, je crois que M. Elimi se trompe énormément. Ah bon? Il se trompe. Il est complètement à côté de la plaque pour une chose simple. Mmh. Il fait une analyse en valeur absolue. Je vais vous prendre un exemple. Nous sommes en France. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont aux élections. Ils n'ont pas de scrutateur dans le bureau de vote. Ils n'en ont pas. Pour la simple raison que ce n'est pas ce ne sont pas ceux qui couvrent tout le territoire. C'est un bon exemple. Vous imaginez bien ici chez nous. Non, attendez, je vous prends un exemple. Imaginez bien ici chez nous un parti qui se retrouve seul dans un bureau de vote, les autres n'ayant pas les scrutateurs là-dedans. Moi, je ne parle pas des scrutateurs, je parle des candidats. Non, parlons de scrutateurs. Je voudrais vous dire ceci. Excusez-moi, je vous ai coupé. Et même s'agissant des candidats, des moyens à mettre, les moyens, on va les fédérer chemin faisant. Et c'est très difficile. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. Sois positif. Parce que tu commences donc déjà à arriver à la stratégie. Chemin faisant. Tu commences à arriver à la stratégie. Ce sera très difficile. Et on n'a jamais vu nulle part au monde des gens qui sont mis à 10 partis politiques pour dire on se réunit, on choisit une personne. Ça ne peut pas se faire, ça ne se fera jamais. Parce que ce parti politique. Alors l'union que vous annoncez va se faire comment? L'union ne peut se faire que sur la base de ce que. Certains partis politiques constatent qu'il y a d'autres partis politiques qui peuvent tenir le peloton et ils viennent faire avec. Vous ne pouvez pas dire que vous allez vous asseoir. Je vous prends un exemple. Quand on fait des élections, par exemple, là où il y a des élections à 2 tours, monsieur Tipitan, là où il y a des élections à 2 tours, ce qui se passe, c'est que on fait d'abord le premier tour des élections. Et quand on fait le premier tour, on se rend compte que le premier, il y a quelqu'un qui a 20%, l'autre à 15%, l'autre à 30%, etc. En ce moment, on peut s'asseoir en ce moment. Absolument. Tout en sachant ce que chacun apporte. Ce qui n'est pas le schéma chez nous. Alors, ce qui n'est pas le schéma chez nous. Vous voulez que quelqu'un qui parle de la politique, qui est militant tout seul, avec lui, son enfant et sa femme, s'assoit avec les autres et dit on va choisir un candidat. Peut-être c'est lui, il va dire que c'est lui qui doit être choisi. Et puis, il doit se mettre devant pour que toute la masse se mette avec lui, alors qu'il n'a fait aucun travail. Non, ce n'est pas possible. Moi, je crois que le combat même, c'est qu'il faudrait que les gens soient humbles à reconnaître que, comme on dit, s'il y a un fleuve, les ruisseaux doivent descendre vers le fleuve et que le fleuve va tirer le peloton. Mais s'il faut tout le temps dire qu'on doit s'asseoir, on doit choisir celui qui doit se mettre devant, ça ne peut pas donner. Donc, moi, je pense que cette démarche-là, c'est une démarche, c'est-à-dire que c'est un raisonnement en valeur absolue qui ne peut pas, c'est-à-dire que qui ne peut pas porter. Parce que vous aurez beaucoup de peine à faire comprendre aux gens qui vont se mettre tous ensemble et que on va désigner quelqu'un qui va se mettre devant pour tirer le peloton. Vous n'avez pas de critères. Vous n'avez pas de critères. Parce qu'il faut définir également les critères sur lesquels les gens, on va s'appuyer pour pouvoir n'est-ce pas, faire toutes ces désignations. C'est bien de faire toutes ces réflexions-là. Mais si on faisait par exemple les élections municipales d'abord, ensuite les élections législatives, ensuite les élections présidentielles, on pourrait dire allons d'abord aux municipales. Si on va au municipal, on va voir qui a le plus grand nombre de mairies. Et puis, on s'assoit, on voit comment on va s'organiser autour de cette personne-là. Et puis, on va aux législatives. On sort, on a le résultat des législatives. On s'assoit, on voit comment on va s'organiser autour de la personne qui se met en avance par rapport aux autres. Même si cette personne peut estimer que, bon, j'ai fait de bons résultats aux législatives, donc je n'ai pas besoin de trouver d'autres affluents. Je ne sais pas à quoi il correspond. C'est pour te dire. Tu ne sais rien de ce qui concerne ce que moi j'ai dit. Ce que tu fais là, c'est l'arithmétique. Il n'y a pas ça en politique. Toi, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Je sais ce que tu as fait. C'est ici que tu découvres ça. C'est ici que tu découvres ça. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis tu me parles, tu me parles de, tu me parles de ce que tu penses. Moi, je te parle des limites de ton raisonnement que les chiffres t'imposent. Les chiffres, ces chiffres, tu les prends en valeur absolue. Je n'ai rien pris de valeur absolue. Je t'ai parlé. Je t'ai parlé de 5317 sur 10 000. Si je prends la valeur absolue, c'est 10 632 que je vais prendre. Tu ne peux même pas prendre compte. Ce n'est pas arithmétique. Bon. Donc, Quand j'ai fini de parler, tu m'as parlé de la France. Moi, je te parle du Cameroun. Je vais te démontrer que ce que tu dis n'est pas vrai. Quand tu vas prendre, tu as parlé de nombre de conseillers municipaux et tu as divisé en deux. Je veux te dire. Non, je n'ai pas divisé en deux. Non, tu as dit 5 000 combien là de conseillers municipaux. Mais est-ce que c'est divisé par deux? Oui, c'est la moitié de nombre de conseillers municipaux. Je t'ai donné la majorité. Oui, la majorité, ça dit plus un ou plus quelque chose. Oui. Bon, je veux te dire que quand tu prends une région qui a peut-être 50 communes, une autre région n'a que 10 communes. Oui. Tu comprends? Là-bas, dans chaque région,
Il y a, par exemple, pour prendre les sénateurs, dans chaque région, il y a 10 sénateurs. Oui. Ce calcul-là devient. Mais tu passes des conseillers municipaux aux sénateurs. Non, parce que les conseillers municipaux font les sénateurs. C'est pour ça que tu as dit. Et c'est pour ça que ce raisonnement-là est faux. Tu peux avoir tous tes conseillers municipaux dans une même région et avoir beaucoup de conseillers municipaux. Ça montre que tu parles, tu n'as pas aidé. Et c'est ça le mauvais. Attends, c'est ça que je vous reproche. Ayez l'humilité de vous asseoir et d'étudier. Tu connais une combinaison dans 5317, qui est la majorité absolue de 10632, répartie 5317 dans 8 régions. Répartis ça dans 8 régions. Il y a 360 communes. Répartis ça dans 360 communes. Tu me donnes la combinaison qui va te donner moins de la majorité absolue dans 8 régions. Tu ne l'as pas fait. Moi, je l'ai fait. Non, attendez. Tu peux pas faire 2 minutes. Ah, voilà. Tu vois donc comment vous fonctionnez. Comme tu n'as pas fait, personne ne peut le faire. Abel, c'est pour ça que la réalité électorale vous échappe. Abel. Tu n'en sais rien. Laisse. Permettez-moi d'avouer que Robert Moutamba, ça m'enlève un caillou de la chaussure. Je commence à m'inquiéter. J'aurais pu certainement être. Indexé comme étant un plateau pas forcément équilibré. Oui, mais tout le temps, le SDF est absent et puis on parle du SDF. Non, non, vous ne pouvez pas dire. Non, on ne parle pas du SDF. On parle de l'opposition. Vous ne pouvez pas dire que le SDF est absent tout le temps ici, Emmanuel. Mais le SDF peut être absent, il sert à quoi? Il ne travaille pas. Robert, bonsoir. Toi, tu Est-ce que vous travaillez? Je vais pas vous faire le résumé. Vous attendez les commentaires des gens pour réfléchir. Je vais pas vous faire le résumé de. Bonsoir député, bonsoir copanéliste, bonsoir. De la première partie, j'ai d'abord pris la réaction, je vais refaire le même schéma, j'ai d'abord pris la réaction des autres panélistes sur l'arrivée de nouveaux membres au sein de l'ECAM, notamment au conseil, dont on sait que le responsable principal a été changé. Et puis, je me suis interrogé quant à savoir, parce que l'essentiel des panélistes ont dénoncé effectivement l'institution, la loi électorale et tout le reste. Le gouvernement. Mais je me suis interrogé quant à savoir ce que font les partis politiques justement pour mobiliser massivement afin éventuellement de barrer la route à ce qui serait éventuellement des manigances. C'est-à-dire que partant sous le principe qu'une forte mobilisation pousserait les Camerounais à pouvoir défendre leur vote, donc à empêcher éventuellement la fraude électorale. Donc voilà un peu les deux aspects sur lesquels je vais également prendre d'entrée votre réaction. Oui, ma réaction est très simple. Hein. Je vous remercie pour celle des questions. L'ECAM, c'est du personnel qui est nommé par le président de la République et ils ont des mandats renouvelables. Et les textes disent qu'il faut consulter les partis représentés à l'Assemblée. Et la consultation n'est pas forcément une réunion publique où on appelle tout le monde, ça peut être même au téléphone. On vous a consulté, on vous a dit ce qu'on voulait faire, vous êtes d'accord, ça peut passer. Parce que j'ai lu quelque part que ça n'a pas été fait, mais personne ne peut dire que ça n'a pas été fait. Voilà. Quand on est habitué à voir les gens se réunir pour prendre ce genre de décision, je pense que ça a toujours été fait dans la discrétion. Donc, il est quand même du personnel qui doit bouger, qui doit tourner. Et puis, je crois que ceux qui sont partis, en commençant par le président de l'ECAM, l'ancien Fonds Kamazou, c'est quelqu'un qui avait déjà fait, je crois, 2 mandats. Et puis, on n'a pas renouvelé. Voilà. Et moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que de changer les hommes, parce qu'il était là, il a fait 2 mandats, il y a eu des récriminations vis-à-vis de la manière avec laquelle certaines choses ont été faites. Même au sein de la structure elle-même, il y avait des distorsions entre le président et son directeur général. Ça a posé des problèmes. L'ancien directeur général était déjà parti, il a été remplacé. Maintenant, c'est l'ancien président qui est parti, et puis à nouveau. Bon, maintenant, un nouveau qui était un ancien gouverneur retraité. Bon, vous savez, on a beau être gouverneur, ministre, tout ce qu'on veut, on est quand même citoyen du pays. On a le droit de bénéficier de tous les avantages comme tous les citoyens. À partir du moment où vous n'avez pas de condamnation qui vous empêche d'occuper certaines positions. Et donc, moi, je pense que c'est une nomination qui, pour moi, est normale. Et puis, voilà. Maintenant, l'autre point, c'était... C'est la mobilisation. Je pense que il n'y a pas que la mobilisation des militants. Moi, j'encourage les militants, et surtout la tranche de jeunes, à tout faire pour aller s'inscrire avant le 31 août, parce que les inscriptions se font du 1er janvier au 31 août. Il y a, de par le dernier recensement, il y avait, je crois, près de 11 millions
le Cameroun qui était à âge de voter. Maintenant, c'est sûrement un peu plus, parce que beaucoup ont atteint la majorité. Et les gens ont tort de ne pas prendre part aux élections, de ne pas aller s'inscrire. Ils doivent s'inscrire. Parce que vous savez, un responsable de ce pays m'avait dit, si vous voulez refuser de vous inscrire, si vous refusez de vous présenter dans des positions de conseiller, de député ou autre, même les chèvres seront là à vos places. Les chèvres vont prendre, vont voter les lois. C'est tout. Donc ça ne sert à rien de fuir les élections. Ça ne sert à rien de dire qu'on est fatigué, on est sûr d'avance que le RDPC va gagner. Ce n'est pas vrai. Je pense que les Camerounais doivent aller massivement s'inscrire pour prendre part au vote et jouer leur rôle. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait seulement cet aspect des choses. Il faut aussi que les gens comprennent que... Moi, j'ai bien suivi l'étude que M. Limi Loba a faite. Je l'ai suivi. Il a bien fait une démonstration à Radio Balafon qui démontrait, par exemple, pour l'opposition, qu'il y a des endroits où l'opposition, globalement pris, est majoritaire. Mais quand ils partent à renseigner, forcément. Donc, moi, je pense que ceux qui veulent que les choses avancent, 250, 300 partis, c'est quand même beaucoup. Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent accepter de vivre ensemble, accepter de travailler ensemble, accepter que certains soient devant et que d'autres soient derrière. C'est un peu ce que le RDPC fait, c'est la raison pour laquelle le RDPC est fort, parce que quelque part, il y en a qui acceptent ceux qui sont devant et qu'ils soient contents ou pas, mais ils acceptent quand même qu'en restant unis, ils vont rester forts. C'est la raison pour laquelle on gagne un peu partout. Donc je pense qu'il n'y a pas que les inscriptions sur les listes électorales. Il faut que les partis comprennent que allez tous, un pays comme le Cameroun, tout pays du monde, n'a qu'un seul chef d'État, c'est un seul poste. Ce n'est pas 300 personnes qui vont diriger un pays. Donc il faut bien que les gens puissent s'entendre. Et nous, on essaie de le faire parce qu'on sait que si on ne s'entend pas, on risque de perdre la position qui est la nôtre aujourd'hui. Et nous ne souhaitons pas la perdre. Abel Variation. Oui, je voulais dire, à la suite de ce que vous te viens de dire, sur les consultations, que vous voyez donc comment la complexité du problème qui doit nous amener à éviter des débats, perte de temps. La loi a dit consulter. Effectivement, Mouté, il peut dire qu'on n'a pas dit forcément qu'on s'asseye quelque part. C'est une constatation. Hein? Voilà. Oh, plus la consultation est cachée, plus elle est suspicieuse. On n'est même pas sûr, donc, que comme ça ne s'est fait qu'au téléphone, par exemple, elle a même hésité. On ne sait pas qui on a consulté. Etc, etc, etc. D'où l'une la vacuité d'un débat, de plaintes sur ce genre de choses. Les chefs de parti représentés n'ont pas réagi. Bon. Ouais, ils ont réagi. Ils ont... Enfin, mais on a choisi parmi qui. Il y avait qui d'abord? J'ai dit, hein, on n'a pas dit les chefs de parti. La loi a dit de consulter les partis représentés à l'Assemblée. Voilà. Les gens pervers dans leur esprit vont venir vous dire que le président a consulté le député là. Vous allez dire, oui, mais pourquoi c'est lui? Il devait plutôt consulter le président. On a dit que, mais on n'a pas dit que. Ça s'est mal passé, je pense que la conclusion vraiment. Je veux montrer que. C'est mal, ça se passe mal. Je veux montrer que ce n'est pas la peine de faire ces débats. Oui, bon. Ces débats-là, justement, ceux qui font ces choses de cette manière, ce président qui fait comme ça, c'est ce qu'il cherche. Ils cherchent une dispersion de l'énergie autour de ce genre de choses. Et que 26 ans après, parce que vous savez comment j'ai intitulé cette étude, non, qui ne plaît pas aux gens qui pensent qu'ils sont les cours, les fleuves, ils sont les océans. Non, allez-y, comment la 26 ans? Je l'ai intitulé « L'opposition camerounaise, réalité des échecs à répétition ». Quelle perspective. Mes frères, quand on est allé, je ne te donne pas. Mais tu vas donner à qui? Moi, je j'ai déjà donné. C'est une étude arithmétique. J'ai déjà donné à plus de 10 000 personnes, mais sauf à toi. Moi, je n'ai même pas besoin de ça. Veux dire que quand... J'aimerais avoir une copie. Oui, je vais t'en donner, mon Merci. Frère. Quand, je veux dire que quand vous avez fait 26 ans de combat politique et que vous avez eu une même stratégie 26 ans durant, vous avez obtenu des résultats qui sont régulièrement en régression. Je ne parle pas du SIF. Je parle de l'ensemble des partis de l'opposition. Et plus particulièrement encore des 22 non-gouvernementaux. Ceux-là qu'on considère comme la vraie opposition. Tous, sans exception, ont des résultats en régression. Quand on est arrivé à ce stade, on ne peut pas continuer à considérer que c'est seulement l'autre qui est en face qui joue le mauvais jeu. On doit avoir le doigté
de se dire, je me regarde un peu. Est-ce que, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est que à 22 partis de l'opposition, nous n'arrivons pas à mettre sur les 180 sièges un candidat. Les 22 partis de l'opposition, l'étude-ci nous a montré que les 22 partis de l'opposition non gouvernementale n'ont été capables que de mettre 163 candidats devant les 180 candidats du RDPC. C'est-à-dire, candidat pour candidat, le RDPC nous avait déjà gagné avec 17 députés au départ. Non, je pense que... On ne va pas insister. Il est évident qu'il y a un travail de fond qui doit être fait pour l'occupation, n'est-ce pas, de ça c'est clair. Bon. Maintenant, je crois aussi que l'opposition camerounaise prend conscience, d'ailleurs. Tant mieux, mon frère. Je crois qu'ils prennent conscience de ça. Maintenant, peut-être qu'il faut réfléchir sur la mise en pratique de ces stratégies, parce que ce travail qui a été fait, je suppose que, il est bien connu maintenant de beaucoup de Camerounais. Il est important. Il ressort un certain nombre de données d'informations qui sont utiles, n'est-ce pas, à ceux qui travaillent dans le champ politicien. Maintenant, je pense toujours que au-delà de ce travail, au-delà des stratégies qui peuvent être mises en place, ne soyons pas indifférents non plus. Pas du tout. Ne soyons pas indifférents parce que, à côté, n'est-ce pas, des insuffisances, évidemment, qu'on peut identifier dans l'opposition et qui peuvent justifier les résultats régressifs de ces dernières années. Et il y a aussi quand même les mécanismes qui sont mis en place par le pouvoir en place pour favoriser cette régression. Il faut pas, donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Il faut être vigilant. Je suis tout à fait d'accord que là, il y a... D'ailleurs, ça s'est déjà fait parce que je crois que ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de rappeler. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux acteurs politiques ou autres, rappelons-nous souvent du passé. Tout à fait. Parce que malheureusement, les gens ont toujours la mémoire courte. Mais ça s'est déjà fait. 92. Donc, ça s'est déjà fait. Le résultat de l'élection présidentielle de 92, ça s'est déjà fait. Je pense c'était une conjonction. Voilà. Donc, je pense que ce qui a été fait hier et qui a produit des résultats, qui doit nous inspirer, peut être refait encore maintenant. Et ça va, et je suis convaincu que ça produira des résultats à côté de la mobilisation citoyenne qui s'est faite maintenant par les acteurs associatifs, poussant les gens à aller massivement s'inscrire dans les électorales. Parce que je dis que ça a un double enjeu. Ça a un double enjeu parce que je dis encore, par ce processus-là, on constitue la masse critique nécessaire pour porter les actions de revendication pour un meilleur système électoral. Alors, deux questions de sortie. Et de l'autre côté, il y a aussi que plus les gens sont nombreux dans le processus électoral, plus il y a la fragilisation des mécanismes de fraude qui sont mis en place pour que les résultats soient visés. Donc ça, c'est important de ça, que les gens aient ça en tête, qu'il y a deux grands enjeux derrière les inscriptions massives dans les listes électorales. Deux questions de sortie à Emmanuel Kounié et Moutambassa sur le premier thème. L'opposition est-il capable de remettre en place le mécanisme qui a conduit à des meilleurs résultats en 92? Oui, l'opposition peut remettre en place. L'opposition est capable. L'opposition peut mettre en place ces mécanismes. Même l'étude que Elimbi a faite peut être une bonne étude. Mais il y a un problème. Quand vous faites une bonne étude, il faut que l'étude doit être portée par des personnes d'une certaine crédibilité, qui ont une certaine crédibilité. Vous pouvez être un bon joueur de football dans un pays, mais si vous êtes indiscipliné, si vous êtes un anarchiste, l'entraîneur dit, je n'accepte pas ce joueur-là dans mon équipe, parce qu'il va peut-être jouer plus que tout le monde, mais il va m'empêcher, n'est-ce pas, d'avoir une équipe qui sera cohérente, qui va me permettre d'aller vers la victoire. Donc ce que je voudrais dire, c'est que l'opposition peut le faire, peut s'unir, peut avoir une union, comme elle a eu en 1992, mais il faudrait qu'il y ait un socle autour duquel, n'est-ce pas, l'opposition va s'agréger. Il faudrait que des personnes, d'abord crédibles, des personnes sérieuses, des personnes qu'on reconnaît sérieuses, puis n'est-ce pas, porter le projet. Si c'est quelqu'un qui se lève, il commence à dire, on va faire comme ça, on va faire. Les gens vont le regarder, mais je vous assure que pour qu'on suive le projet, il faudrait que la personne qui porte le projet soit une personne, n'est-ce pas, qui est crédible. Et ça, si la personne n'est pas crédible... C'est très bien que si la personne n'est pas crédible, elle peut m'avoir toutes les raisons du monde, elle restera avec ses raisons dans son ventre, et puis, n'est-ce pas, on cherchera ailleurs. Donc moi, je dis que cette étude peut être très bonne. Mais ce qu'Elimbi a à faire maintenant,
c'est de faire une équipe autour de cette étude, une équipe qui va porter le projet, parce que chaque projet doit avoir une portée de projet, et qui va, n'est-ce pas, pas aller tout seul, aller avec ces gens-là, ou bien envoyer des gens qui vont essayer de voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, on peut aller des gens. Bon, ça, c'est, pour ça, les ça, c'est en ce qui le concerne. Ça, mais c'est pour les mais je ne vois pas pendant, pourquoi. Pendant qu'il le fait. Il court devant Dieu. Dieu est derrière. Lui, il est devant. Non. Il dit à Dieu, fais les équipes. Comme celui qui a fait l'étude. Je te demande de courir en bas. Je crois que c'est intéressant. Cette personne, non, je crois que le porteur du projet doit être quelqu'un de discipliné. C'est intéressant de prendre en compte ce qui est fait comme proposition. Qui t'a dit de ne pas porter le projet? Comment tu peux porter le projet là? Moi, je peux porter un projet parce que je vais attendre. Je peux te garantir que si tu continues à pérorer comme tu le fais là autour de ce projet, ça va être très intéressant. Oui, mais ça va rester les hypothèses d'école. Voilà, tout le monde va écouter. Non, ça va rester les hypothèses pour vous. Si tu veux, tu prends ce que je t'ai dit au sérieux. Je trouve intéressant. Tu ne dis rien de sérieux. Je trouve intéressant parce que moi, alors, je suis un peu surpris qu'il y ait la dispute parce que normalement, là, on voit qu'il y a convergence. Et je me réjouis. Convergence de mauvaise loi. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Parler comme ça. Ne t'occupe pas de ce que je lui dis. Je pense que c'est déjà intéressant. Moi, je suis un acteur de l'espace public et quand les gens disent des choses, je note, je retiens. Et ça, pour moi, c'est important. Et quand quelqu'un qui est quand même, qui a une certaine position dans un parti comme le SDF dit quelque chose, je prends ça au sérieux. Qu'importe, voilà, je veux parler dans sa bonne ou sa mauvaise foi. Mais je pense que c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, le SDF pense que le travail qui a été fait hier être refait aujourd'hui pour créer, n'est-ce pas, une cohésion, n'est-ce pas, au sein de l'opposition camerounaise et aller en avant pour obtenir les résultats obtenus hier. Ça, c'est déjà intéressant parce qu'aujourd'hui, nous, les acteurs associatifs qui travaillons sur les questions électorales et démocratiques, nous souhaitons voir cet espace véritablement occupé, n'est-ce pas, mis en mouvement, animé. Et ça, ça demande qu'il y ait une cohésion. Parce que les quelques... Alors, nos jeunes que nous avons sur le terrain depuis un mois, justement, nous on a fait une première réunion d'évaluation, et on a un retour. Un retour. Parmi les retours qu'on a, c'est justement que mais cette opposition-là, c'est qui? Comment? Voilà, ils sont dispersés, c'est on ne voit pas. Toujours. Donc, on a ces retours-là. On a ces retours-là. Et nous, on leur dit, pour le moment, laissez l'opposition, n'est-ce pas, dans ces problèmes. Voilà. C'est l'acte 1, c'est 2, vous inscrire. Parce que quand vous êtes inscrit, vous n'êtes pas obligé d'aller voter. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Mais dès que vous voulez voter, voilà. Vous pouvez voter. Donc, allez d'abord vous inscrire, parce que c'est quand on va être massivement inscrit que nous pouvons aussi massivement nous exercer même des pressions sur cette opposition. Voilà. Donc, c'est un enjeu majeur important. Et moi, je me réjouis justement que ce travail qui a été fait par l'UMJ, c'est un travail, moi je l'ai regardé, je l'ai lu et relu, c'est un superbe travail qui doit être, n'est-ce pas, bien regardé par l'ensemble des acteurs politiques, particulièrement de l'opposition, parce que là, il ressort des éléments pour nourrir, n'est-ce pas, les stratégies au sein de l'opposition et nourrir aussi les stratégies pour tous les acteurs qui voudraient bien se lancer dans le champ électoral. Robert Moutambassa, est-ce que tous ces, je ne vais pas dire gesticulations, de peur de donner l'impression d'être péjoratif, mais tout ce déploiement-là ne vous fait-il pas peur au niveau du RDC? Déjà, sur le plateau, j'ai comme l'impression que l'émission de ce soir, c'est pour aider l'opposition à nous remplacer. Toutes les émissions doivent servir à ça, mon frère. Vous avez déjà duré 26 ans, vous n'avez plus rien à faire là. Bon, donc je veux dire ceci, vous savez, le RDPC est proche du pouvoir. Le pouvoir est en dehors du président. Vous n'êtes pas au pouvoir. C'est le président qui est au pouvoir, il est le président de tous les Camerounais. Il n'est pas le président du RDPC. Et le pouvoir législatif, c'est lui. Le RDPC, tu as parlé, laisse-moi parler. Donc, c'est la première fois que j'apprends que le RDPC n'est pas au pouvoir. Non, on est proche. Ah, vous êtes proche. On est proche du pouvoir. Les gens politiques camerounais sont forts. Quand je dis ceci, c'est le président bien, il est au pouvoir. Le RDPC, c'est son parti, c'est son outil de travail. Okay. Donc nous sommes proches du pouvoir. Non, je veux dire ceci.
Vous savez, quand vous êtes au pouvoir, au poste du pouvoir, vous cherchez à le garder, à le conserver. Et puis, pour conserver le pouvoir, il faut veiller à neutraliser les forces antagonistes. Donc, vous voyez, quand ils ne s'entendent pas comme ça, ça ne vous gêne pas. Attends, vous entendez, mais... D'ailleurs, il sera obligé d'être dans la logique. Attends, le téléspectateur qui vous suit... C'est que vous ne vous entendez pas. Non, je demande limite d'être non discipliné. Laissez-moi parler. Vous avez parlé, moi je n'ai rien dit. Il n'a rien à dire. Non, je dis ceci. Je dis ceci. Quand ils ne s'entendent pas comme ça, je ne peux que boire du petit lait. Ça, c'est sûr. Et vous pouvez comprendre que je ne vais pas les aider à nous chasser du pouvoir. Ok, nous sommes proches par rapport à notre président qui est en place. Donc, moi, je pense que l'opposition, elle peut faire ce qu'elle peut. Elle peut se préparer comme elle veut. Mais je pense que les mentalités ne sont pas encore prêtes. Les gens ne savent pas se dire, je reste derrière, je laisse l'autre aller et je le soutiens. Même s'il reste une seconde, ça va éclater. Et donc je pense que l'opposition a intérêt à beaucoup travailler pour essayer d'atteindre cette unité. Mais nous, au RDPC, pour le moment, nous restons vigilants quand même. Nous veillons à neutraliser les forces antagonistes. Nous restons vigilants. Mais notre problème au RDPC, ce n'est pas l'opposition, c'est le RDPC lui-même. Parce que nous avons des gens qui étaient à l'opposition, qui sont revenus chez nous, qui nous créent des problèmes terribles de l'intérieur. Et quand vous voyez comment ces gens neutralisent les projets du président, ils sont partout, ces gens-là. Et c'est eux qui nous inquiètent aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à démêler le bon grain de l'ivraie. Ça devient très compliqué. Et plus on part vers les élections, nous on est plus inquiets par des gens qui sont théoriquement les nôtres, mais qui peuvent nous faire des crocs en jambes, même à la dernière minute. Et donc, je pense que c'est là que nous travaillons beaucoup plus, tout en suivant l'opposition, parce que pour le moment, l'opposition est dans un coma profond, et nous ne veillons pas à la sortie de ce coma. Nous voulons continuer. Je voudrais supplier, oui, non, on ne va pas relancer un débat. Je voudrais dire simplement à M. Kounye que, contrairement à ce qu'il peut croire, je me réjouis de voir des germes d'une prédisposition d'esprit à la conjugaison des forces. C'est très important. L'expérience est de nature à nous encourager, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que les résultats qu'on a obtenus à l'élection présidentielle seulement, en 92, nous rappellent que c'était une conjugaison des forces. Et je rappelle qu'en 92, cette conjugaison des forces s'est faite par des partis politiques qui n'avaient été nulle part à une élection et qui n'avaient pas de résultat avant. Il n'y avait pas d'océan et de rivière. Et les gens, contrairement à ce que Mouté dit, tout en demandant que cela se fasse, les gens avaient transcendé certain nombre comme tu dis, vos jeunes ramènent le son du quartier. Certainement, on leur parle des égaux. Quand vous lisez dans les réseaux sociaux, tout le monde parle des égaux, des leaders des partis politiques qui ne peuvent pas. Personne n'avait un député. Moi, je veux leur dire que... Maintenant, les gens en ont. Avec les mauvaises lois, avec le chacun pour soi, Dieu pour tous, que nous faisons là, l'UNDP a eu 15 communes qu'elle dirige sur 360. Mais... N'oubliez pas que je considère que l'UNDP est un allié. Nous, on veut renverser. Elle veut soutenir et avoir sa part. Donc, de la majorité présidentielle. L'UDC, qui est dans notre opposition pure à l'UPC, a 7 communes actuellement dans tout le Cameroun. Le MDR a 5 communes. Le SDF en a 23. L'UFP d'Olivier Billet a une commune à Yabassi qui est une commune très trafiquée là. L'UMS de Kouemo à Loum a une commune. L'UDC en a 5. Au total, avec le mauvais code électoral, avec un mauvais ELECA, nous sommes parvenus à gagner 57 communes sur 360. Je veux savoir qui peut nous expliquer que si nous nous unissons, nous allons plutôt gagner moins. La question reste pendante. On ne va pas débattre de cela ce soir. On va passer tout de suite au deuxième thème pour essayer de rattraper le temps et épuiser les thèmes que nous avons. On parlera de la liberté de la presse, notamment au Cameroun. Derrière la transition.